Ok les gars, nouvel enregistrement car mon ancien a rendu l'âme. Ouais, puis je crois en fait que je vous les mettrai tous les deux en un, tout simplement. Comme ça, j'aurai pas de... Non mais les gars, j'ai pas envie de faire une vidéo à double... Enfin comment dire, faire un montage, je m'en bats les couilles. Mais je vous dirai la vérité, je m'en bats totalement les couilles des montages. Aujourd'hui, je vais vous les upload. Partie 1 et partie 2, puis voilà. Donc, pour les gens qui débarquent, c'est la partie 2 de ma vidéo sur eFootball. Regardez la partie 1, les gars, voilà, tout simplement. Elle est là, quelque part. Elle y est. Démerdez-vous, elle y est. Voilà. Donc, non, j'ai pas envie de faire un montage, les gars. Pourquoi? Pour 10 minutes en plus, les gars, ça va. Pas que ça à foutre. Donc on est déjà après plus de 1 heure de vidéo du coup de ce jeu, c'est quand même pas mal. Mine de rien les gars, c'est pas mal. Bref, ça sera donc ma dernière vidéo de... Enfin ma dernière, mon dernier match. Ok. Vous voyez comment l'IA n'est pas du tout réactif par rapport à l'IA en mode superstar. C'était quand même beaucoup plus réactif et beaucoup plus grisant, j'ai envie de dire, de mettre un but. C'était pas pour lui. Ah, ils ont fait un bruitage. Oh, quand tu tires, bon, c'est assez étonnant, je dois dire. Alors, j'ai pas du tout tenté les gestes techniques. Hein. Spectatores. Big up à mon ami Julien qui est brésilien. Enfin, à moitié brésilien. Spectatores. Attention. Passe le ballon là. Là-bas. C'est mal joué. Ouais, bah les gars, j'ai fait le tour, hein, de toute façon. Hein, j'ai fait le tour de ce jeu. Ouf, on a eu chaud. Alors, par moment, le ballon, il est un peu aimanté, je dois dire, vers le joueur qui doit recevoir la balle. Et ça, c'est un peu dommage. Oh! Le ballon, il est un peu aimanté. Et ça, c'est dommage. Vous voyez que par rapport à avant, non, 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 j'ai dit n'importe quoi. Ok, c'est exactement ce que je voulais faire. Hein. Par contre, là, pour le coup, c'est pas un bug. La frappe a été contrée, mais ce n'est pas grave. Mais vous voyez un peu la qualité des passes et puis des ralentis. Très bien fait. Hein. Ah, le ballon était un peu bugué, je crois, à la fin, là. On n'a pas bien vu, mais bon. Pedro. Miguel Pauleta, les gars. Camilla 25. J'essaie de voir un petit peu autour du stade, hein, maintenant que j'ai le temps. On mène 2 à 0. Eh, autour du stade, c'est quand même pas... C'est quand même pas pour fou, hein, vous voyez. Il y a des gens qui bougent pas du tout. On pourrait faire un tour dans le mode ralenti. Pour voir un petit peu, mais franchement, alors comment ça marche? Oui, stop, stop, stop. Comment ça marche? Voilà. J'aime beaucoup les animations des joueurs. Voilà. Ah! Vous voyez les bugs là? Voilà, le pied qui rentre dans le ballon. Ça, c'est dommage. Hein. Ça, c'est vraiment très, 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 très dommage. Quand même. C'est pas des choses qu'on devrait voir. Le stade, ben regardez, le stade est quand même pas ouf. Moi, je trouve qu'on pourrait faire mieux au niveau du stade. Vraiment, quoi. On pourrait faire mieux. FIFA, ils ont un cran d'avance au niveau du stade. Hein. Ça, c'est très, très clairement le cas depuis pas mal de temps maintenant. Par contre, au niveau du gameplay, ben, je retrouve vraiment ce que j'avais aimé dans PES. Hein. Sincèrement, voilà. Bref les gars, voilà, deuxième match, deuxième victoire, qui était beaucoup plus conséquente car on a gagné 2 à 0, mais on a quand même bien joué et tout.
Donc on oublie mes défaites en superstar. Hein. Non mais franchement les gars, en superstar, je n'ai pas eu de chance aussi. Hein. Merde. Et oh les gars, merde quoi. Je me prends un but de Aubameyang. Mais arrêtez quoi. Putain, mon goal qui repousse le ballon. Enfin merde. Alors qu'il aurait pu parfaitement le foutre en corner aussi, vous voyez. Donc, bon. Bref les gars, fin de la vidéo. Mon avis complet sur le jeu, faudra attendre la Ligue des Masters, mais le menu est dégueulasse. Hein. Ça, ça n'a pas changé. Le menu, est... je n'aime pas du tout ce bleu là. C'est dégueulasse, c'est nul. Non, vraiment, ce qui est dommage, c'est que c'est tout simplement du fut. Voilà, c'est ça qui est dommage. Ça aurait été autre chose, ça aurait été incroyable, mais là, c'est du fut. Ils vont miser tout sur le free-to-play et donc tout sur fut. Le mode fut de PES, et ça, c'est vraiment dommage. Maintenant, est-ce que c'est mauvais? Non, le gameplay est très bien, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez des cartes, voilà, Batistuta, Samuel Eto'o, Harry Kane, voilà, des youtubeurs qui vont faire du pack-up. Et d'ailleurs, ça s'y met déjà, à faire des pack-openings. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis, moi, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est le frisson quand je mets un but. C'est la satisfaction d'avoir bien joué. Et voilà, c'est vraiment le fait d'arrêter un péno. Voilà ce que j'aime. Et le jeu le fait bien, en tout cas bien mieux que la démo. C'est vraiment un bon pas, un très grand pas en avant. Et on est vraiment très loin de ce que proposait eFootball au tout début. Ça, très clairement. Je ne vais pas vous dire le contraire. Voilà, écoutez les gars, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo, cette deuxième partie du coup vous aura plu. Mais bon, c'était... la deuxième et la première sont liées, c'est juste qu'il n'y aura aucun montage et je m'en bats les couilles total. Voilà, c'est juste ça en fait. Donc allez vous faire foutre ceux qui ne sont pas contents. Et tout le reste, eh bien, j'espère que vous avez apprécié et que voilà, que je n'en sais rien. Voilà, 1000 ans de souffrance, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de dire ça. Mais... bref, portez-vous bien et rendez-vous dans quelques jours pour peut-être un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Voilà, mais sur eFootball, non, hein, c'est fini. Enfin, à moins que je fasse une vidéo défi avec un ami, on ne sait pas. Mais pour le moment, c'est fini. eFootball, c'est pas le moment. Peut-être quand la Ligue des Masters sera présente. Hein. Allez les gars, portez-vous bien et ciao tout le monde. Bye bye. Ah oui, et si vous vous demandez c'est quoi ces messages ici, eh bien, je n'en sais strictement rien du tout. Voilà, donc des mises à jour, voilà, bref, je m'en bats les couilles. Allez les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde, c'était Colo.